Coucou à tous, nous sommes présentement dans la ville de Mons, plus précisément dans l'une des limousines qui transportera les invités du Critérium africain qui se tiendra effectivement le 10 novembre prochain. C'est l'un des plus prestigieux événements. Alors, l'initiative voilà, de réaliser cette émission dans cette limousine est tout simplement due au fait que Vision Channel Africa a décidé d'accompagner cet événement qui finalement rassemble les plus grands DJs internationaux, les artistes et les promoteurs culturels. Pour la circonstance, je suis en compagnie du président du Critérium et voilà de ses collaborateurs qui sont des personnes situées au cœur de cette machine qu'est le Critérium africain. J'ai nommé Ugrich Pangenia. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Accompagné de ses collaborateurs, je disais, qui sont par ailleurs les initiateurs de cet événement. Bonjour monsieur et bienvenue sur Vision Channel Africa. Voilà, pour commencer avec vous, monsieur le président, si on revient effectivement sur l'exposé dont je faisais part tout à l'heure concernant le Critérium, pour vous demander à vous, puisque vous êtes mieux placé pour le faire, c'est quoi concrètement le Critérium africain? Voilà, déjà, je dirais le Critérium africain, c'est un événement à la base qui rassemble, je dirais, les 10 jockeys, les promoteurs culturels, les artistes et tout le talent et potentiel africain de la diaspora. Donc c'est un événement qui permet de pouvoir avoir cet échange collaboratif et surtout festif de ces Africains. Donc c'est le moment unique et idéal en Europe où on peut voir les Africains s'amuser et promouvoir la culture qui est effectivement l'essence même de notre existence. On parle effectivement en effet de cet événement, du 5e anniversaire de cet événement qui bénéficie notamment voilà, de la participation ou bien de l'expertise de votre main d'orchestre comme président du Critérium. Et en vous prévalant justement de ce statut voilà, de président, quelles sont les innovations que vous comptez apporter pour cette année? Voilà. En tant que président pour cette année et l'année prochaine, je parle sous le contrôle effectivement de ces deux personnes très averties, c'est de pouvoir du moins apporter quelques changements sur l'organisation de l'événement en lui-même, c'est-à-dire au niveau du couronnement de l'événement, c'est-à-dire cette série sur le gâteau qui a parfois pris beaucoup de temps, c'est-à-dire la gratification de certaines personnes de la diaspora par la remise des Oscars. Donc cette année, en tant que président, j'ai décidé de réduire considérablement le nombre d'Oscarisés. Donc pour faire 5 Oscarisés. Comme ça donne le temps aux gens de pouvoir s'amuser. Parce qu'il faut dire que l'Oscar n'est pas le clou de l'événement. Donc comme je vous disais, l'Oscar c'est simplement la série sur le gâteau. Et à côté de cela, donc il y a 4 disc jockeys qui vont effectivement meubler la scène, qui vont permettre aux gens de s'amuser dès leur arrivée. Donc j'ai nommé DJ Willy Mix, DJ François, DJ Pat Cool et DJ... Qui sont les DJ de l'événement en fait Qui sont les DJ de l'événement, donc qui ont la charge, voilà, qui ont la charge de pouvoir animer. Et on a investi également sur la piste de danse, donc qui sera du 100% LED, qui va permettre du moins aux gens de pouvoir vraiment s'exposer. On y reviendra bien sûr, en donnant justement l'occasion aux professionnels de nous en dire tout à fait. Mais également... Mais vous avez demandé ce que j'apporte comme changement. Les innovations justement, vous n'avez pas parlé de l'une des choses les plus essentielles, la carte Gold qui circule partout sur les réseaux sociaux. J'arrivais justement à ça. Effectivement, on a initié cette année d'introduire cette carte Gold. Il y a beaucoup de questions autour. Les gens sont très intéressés. Alors, la carte Gold, c'est quoi? La carte Gold, c'est simplement c'est cette carte qui vous permet de pouvoir accéder de manière véritable à cet événement. Donc, la carte Gold va vous permettre quoi? De pouvoir atteindre les services prestige de l'événement, c'est-à-dire ces limousines qui ont été offertes par Serge Cristal et évidemment son équipe. Avec la carte Gold, vous avez la possibilité de pouvoir justement emprunter cette limousine avec un service de photographe à l'appui. Avec la carte Gold, vous avez la possibilité de vous loger à des prix préférentiels chez notre sponsor Novotel. Et avec la carte Gold, vous avez un accès privilégié évidemment au niveau de la salle. Une fois que vous descendez de la limousine, c'est le déroulement du tapis rouge, un accueil avec champagne. Et avec la carte Gold, une fois que vous constituez une table de 10 personnes, vous avez un champagne offert. Donc la carte Gold a beaucoup d'avantages et ceux qui n'ont pas la carte Gold paieront simplement l'entrée à la porte. Et comment on fait pour rentrer en possession de cette carte Gold?
Voilà, pour entrer en possession de la carte Gold, c'est très simple. Il faut contacter l'un des promoteurs de l'événement, soit Willy Mix, soit DJ François, soit moi, ou l'un des membres du CTO, qui sont assez nombreux, que je ne citerai pas ici, simplement. Donc, ah, voilà. D'accord. Je vais aller vers les Didier, justement, pour toucher un point essentiel, qui est l'initiative en elle-même. Qu'est-ce qui, effectivement, vous a motivé de mettre sur pied une telle initiative? Moi, Didier François. D'accord. Didier François et Didier Ulimix. Ouais, on entend souvent parler de sans toutefois savoir qui voilà, sont. C'est sûr, il y a certains qui confondent Willy à François, on confond François à Willy, mais moi, c'est Didier François, lui, c'est Willy Mix. Bon, voilà, avec tous nos tournées, ça fait quand même plusieurs années que nous, on fait à peu près le tour du monde. Voilà, et on voit des événements. Et la plupart des éléments que nous on a, la plupart des éléments que nous on a rencontrés, c'était soit des éléments typiquement nigériens, ou typiquement zambiens, ou typiquement camerounais, ou typiquement nigériens. Bon, moi et Willy, on a pris la peine de s'asseoir pour dire, mais pourquoi ne pas réunir tout ce monde pour faire en fait un événement? C'est de cela qui est partie l'idée de créer le critérium. Donc le critérium, ici, comme a dit le président, ça rassemble tout l'Afrique en général. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé de prendre 4 Didier, parmi les 4 Didier, parce que la musique ici est la musique internationale. La musique ici, c'est la musique jeune. La musique, c'est la musique moins jeune. La musique, c'est la musique... Justement, je vous coupe pas. Hein. Pour rester avec vous, à l'origine, effectivement, on parlait d'une soirée des Oscars qui s'est finalement déclinée en critérium africain d'abord. Pourquoi et finalement, qu'est-ce qui change? Donc, au début, lorsqu'on a lancé l'événement, comme a dit mon collègue DJ François, le but était de rassembler tous les Africains dans un même lieu. Et on avait baptisé le nom de l'événement Oscar Gala Night. Mais avec le temps, on s'est rendu compte en Belgique qu'il y avait un autre événement qui s'appelait aussi Oscar Cameroun Belgium. Alors on s'est dit, bon, ça allait un peu créer le désordre dans la communication, dans la publicité, ça allait peut-être embrouiller les invités. Alors on a décidé de changer le nom tout court pour passer à Critérium. C'est le même événement, on a juste changé le nom pour pouvoir orienter tous nos invités. Non, c'est le même événement. C'est le même événement, c'est le même concept. C'est le même concept. Ah, d'accord. Okay. Je reviens avec. Vous avez quelque chose à dire, François? Oui, oui, ça, on remercie vraiment. On remercie vraiment le public. Parce que pour quitter du critérium, de l'Oscar au critérium, ça a été vraiment très facile. Et puis, on remercie le public qui n'a même pas hésité un seul instant de valider et l'Oscar et de valider le critérium. Surtout les artistes. On a eu le soutien de beaucoup d'artistes qui étaient pour qu'on change le nom. Je reviens avec le président. Voilà, président, la majorité des personnes qui venaient de l'extérieur, je parle notamment des États-Unis, de Londres ou de l'Afrique, évoquaient effectivement la question des difficultés de logement. Est-ce que vous avez pu finalement trouver une solution? Heureusement qu'on y travaille, qu'on a une équipe dévouée sur le terrain qui veut apporter à cet événement une hauteur surdimensionnée. On a pu évidemment conclure avec le nouveau hôtel des prix préférentiels pour pouvoir loger la majorité des personnes qui viennent de l'extérieur. Mais je vais vous le dire sans vous surprendre, mais il y a aussi des personnes en Belgique qui étaient intéressées de pouvoir se loger une fois qu'ils ont quitté leur domicile, de pouvoir vraiment profiter chaque minute, chaque seconde de l'événement. Donc eux aussi sont en train de réserver pour avoir des chambres au nouveau hôtel. Pourquoi? Parce que simplement c'est très avantageux. Une chambre à 89 €, petit déjeuner pour deux personnes avec service limousine. On ne voit ça nulle part. Rien que on ne peut que voir ça au critérium. D'accord. Le nouveau hôtel est-il le seul hôtel à recevoir ou à abriter les invités du critérium? Le nouveau hôtel 4 étoiles n'est pas le seul sponsor, on en a pas mal de sponsors. Il y a RIA, il y a Théma, il y a SFR, il y a Vitrine Africaine, il y a comme collaborateur Vision Channel Africa, il y a Sopiprot, il y a pas mal de sponsors. Vous avez vu ici aussi un mécène qui évidemment a offert 3 limousines, donc Serge Cristal. Donc voilà, on en attend encore. Donc parce que il faut que cet événement soit vraiment époustouflant et surtout aussi surtout qu'il y a évidemment le concours de l'extravagance et de l'exubérance. Donc on attend évidemment tous les différents sponsors à pouvoir justement
proposer des choses pour que ce soit vraiment époustouflant. Voilà, vous faites bien de le mentionner parce que tout à l'heure, j'allais vous demander, voilà, nous avons entendu dire que 2000 euros, qu'il y avait un chèque de 2000 euros qui voilà, pouvait être gagné par les invités les plus extravagants de la soirée. Quelles sont justement les conditions requises pour gagner ces 2000 euros? Ben, à eux, à leur, comment dire ça, leur imagination, leur créativité, et on a pensé effectivement de mettre à leur disposition un chèque critérium de 2000 euros pour pouvoir justement primer cette créativité, parce qu'on a vu au fil des différents critériums, on a vu que les gens se mettaient de manière extravagante et ça créait une certaine émulsion, une certaine attirance, et on s'est dit pourquoi pas cadrer cela, organiser cela, et voilà, on a vu par exemple Maloko et sa suite, voilà, et puis voilà, qui ont vraiment travaillé leur imagination en tant que pharaon, en tant que roi, etc. Donc oui, il y a un chèque de 2000 euros critorium qui sera offert à celui qui effectivement, ou ceux qui vont effectivement nous époustoufler, parce qu'il y a une équipe de jury et le public qui désigneront effectivement les personnes qui gagneront cela. L'un des faits marquants est également la présence d'une dame comme Didier. Pourquoi avoir fait ce choix effectivement? Ben, on est dans un pays où les femmes effectivement réclament leur part du gâteau, et il est évident pour un événement comme le critorium, la femme étant la mère de la nation, de pouvoir l'intégrer. Si on a longtemps dansé sur les rythmes de DJ François, DJ Milumic, DJ Pat Cool, c'est aussi l'occasion de découvrir. Et cette année, c'est une nouvelle DJ femme qui sera au reine de platines. Voilà, pour appuyer ce que je disais tout à l'heure, toujours avec vous, hein, Président, désolé, je suis obligée de vous poser autant de questions parce que c'est le critorium africain qui est, comme je le disais, l'un des plus grands, même le plus grand événement de la diaspora. Pour appuyer ce que je disais tout à l'heure, effectivement, pour, voilà, qui parlait voilà, des acteurs ou des promoteurs culturels que vous avez invités. Et cette rhétorique est valable également pour les immortaliseurs. Je pense bien sûr aux meilleurs photographes. Vous avez choisi 10 meilleurs photographes. Pourquoi avoir sélectionné? Voilà, 10 photographes pour le critérium. Je pense que c'est dans l'esprit de pouvoir effectivement déjà valoriser le travail de ces différentes personnes et aussi surtout d'apporter un service de qualité aux invités, de pouvoir, parce qu'on s'est vu, on a vu dans les éditions précédentes que les invités étaient friands des photos. Et alors pour garantir que chaque invité pourra avoir une photo gardée en souvenir indélébile, ces photos, alors on a pris la peine de pouvoir sélectionner à travers l'Europe, à travers le continent, tout le continent, effectivement les photographes africains qui vont pouvoir meubler de manière professionnelle cet événement, et surtout que dans chaque limousine attitrée, il y aura un photographe wow, dédié. Donc voilà, à vous la chandelle. Voilà, Président, plus concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour participer à la 5e édition du Critorium africain le 10 novembre 2018? Simple, à votre créativité, vous êtes chic, bonjard, et surtout, vous faites tout pour rentrer en possession d'une carte gold. Qui est gratuite. Qui est gratuite, entièrement gratuite. Ça vous ouvre effectivement toutes les opportunités de bénéficier ou alors de profiter de cet événement grandeur nature. Le 10 novembre, c'est vraiment un événement sans pareil. Et j'appelle ici toute la communauté africaine parce que c'est l'un des événements qui rassemble vraiment le potentiel de la communauté africaine qui part de partout, de Londres, de Dublin, de New York, de la Suisse, de l'Afrique, de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Espagne, de partout. Donc c'est vraiment l'occasion de rencontrer, de faire de belles rencontres et surtout de s'amuser. Les DJ sont là, je crois qu'ils ne me démentiront pas. Voilà les DJ, un mot de fin. Qu'est-ce que vous prévoyez effectivement pour toutes les personnes? Vous prévoyez faire quoi pour enjailler toutes les personnes qui viendront le 10 novembre prochain? Oui, un peu pour compléter le mot du président. Oui, surtout le critérium, ça fait des années. Je crois qu'aujourd'hui, on est à presque les 4 éditions qu'on a fait. On est à presque 12 000 personnes qu'on a reçues à travers la diaspora. Je crois qu'il faut réserver à temps. D'accord. Parce que c'est la réservation qui est très, très importante. Il faut garantir, oui. Avoir la carte gold, c'est bien, mais sur cette carte gold, il faut tourner juste à la carte gold, voir des formules de réservation derrière cette carte. Il y a des numéros du président, de Willy et de toute l'équipe derrière cette carte. Appeler pour toujours réserver. Comme le président, pas qu'il a omis, il a dit, la carte gold vous permet d'entrer au critérium, mais la carte gold ne vous garantit pas
place assise. C'est la réservation qui vous garantit. Il faut réserver avant pour être sûr. Parce qu'exactement, il y a peut-être 1800 places assises. C'est pour ça que l'événement va toucher à 3000 personnes. Donc, il y a 1800 personnes qui sont sensiblement. 1800 personnes à 2000 qui sont assises. Et le reste, c'est ceux qui sont debout, qui ont eu cette carte gold. Et puis, ça nous fait plaisir d'assister à l'événement. D'accord. Quand ça se concerne l'animation, je crois que le chef de plateau se joue à celui-là. Ils sont quatre Didier, je rappelle. Didier François, Didier Willy Mix, Didier Pat Cool. Didier Priscilla, qui est la fille. La reine. La reine qui est là, qui va distiller beaucoup de la musique jeune. D'accord. Dans le critérium, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement comme les gens pensent. Le critérium, c'est pour tout le monde. Il y a un Didier, la dame. DJ Priscilla, qui est DJ résident dans une des plus grandes boîtes de nuit de Bruxelles. Donc, elle sera là. Pat Cool aussi. On n'a pas choisi les DJ au hasard. Nous sommes quatre et nous vous promettons du show au maximum. Les crèmes de la crème. Voilà, voilà, la précision en vaut la peine. Comme quoi, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Voilà, faites justement vite. Hein, allez déjà réserver vos places pour voilà, assister pour être sûr de participer à la 5e édition du Critérium africain qui se tiendra le 10 novembre prochain ici à Bruxelles. Merci de nous avoir regardé. Merci chers abonnés de Vision Channel Africa. C'était tout pour cette édition divine. Restez-nous fidèles et portez-nous bien, vous bien, j'allais dire. Bye bye. Et on vous donne rendez-vous le 10 novembre prochain. Au Birmingham Palace. Birmingham Palace. Voilà. On vous attend.